Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais incognito à Paris. Oui, je me rends à Paris pour quelle raison? Pour le moment, la fille que vous voyez devant vous ne sait absolument pas pourquoi elle va à Paris, mais en tout cas, il y a un week-end de folie qui s'annonce. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas vlogger tout ça. Je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Histoire de planter le décor, on va tout recontextualiser. Je vous avais dit lors du précédent vlog que ça faisait plusieurs jours que mon mari il était en déplacement, tout ça. Et du coup, il est rentré il n'y a pas très longtemps et il m'a dit « Prépare ta valise et tout, je t'emmène quelque part mais je ne te dis pas où ». Du coup, j'ai préparé ma valise, il m'a dit « Oui, rejoins-moi à Paris et tout ». Ou mercredi, fin de journée, je prends le train pour pouvoir le rejoindre mais je ne sais absolument pas où je vais, ni comment, ni quoi. Et vu que je n'avais pas terminé de bosser, j'en ai profité pour pouvoir terminer d'envoyer quelques petits mails urgents avant ce week-end de folie en fait. J'ai vécu ici pendant pratiquement 3 ans, mais vraiment, je suis toujours aussi perdue avec les tableaux et tout. De toute façon, dès qu'il y a trop d'informations, moi, je sature en fait et je commence à paniquer de ouf. Vraiment, ça faisait que quelques minutes que j'étais arrivée à Paris, mais je peux vous assurer que Paris m'a pas manqué du tout. Rouen, les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus directes, beaucoup moins stressantes, c'est clair. Je me suis endormie, il était 1h et tout, et là je me suis levée à 5h, là il est 6h30, j'ai traînassé dans le lit, j'ai forcé pour dormir et tout, rien à faire. D'ailleurs là je parle pas trop fort parce que mon mari il dort encore. Laissez tomber, hier c'était une cata. Quand j'ai fini de vous filmer autour de la défense et tout, j'ai dû attendre là dans la zone au moins 1h30 et tout. On a commandé à manger, on a pris un Uber, on est rentré, enfin on est venu à l'hôtel. D'ailleurs je vais même pas vous dire dans quel hôtel on est parce que l'accueil c'est vraiment du n'importe quoi. Donc hors de question que je leur fasse de la pub ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment une cata. En fait c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a une personne sur les 3 qu'on a vues qui est vraiment elle est hautaine et tout, elle a pas été que avec nous. Elle a été avec les personnes qui sont arrivées juste avant nous et tout. Donc voilà, franchement déjà que je suis dans l'incompréhension, je sais pas où je vais, je sais même pas dans quel monde je suis, donc je préfère ne pas m'énerver pour rien. Du coup ce matin au programme, d'après ce que monsieur m'a dit, d'après ce que j'ai compris, on se prépare, on descend prendre le petit déjeuner à je crois que c'est 7h ou 6h, je sais plus, mais je crois, ah non, c'est, je sais plus, franchement je sais plus parce que là je suis complètement déréglée, j'ai pas assez dormi, j'ai oublié tout le programme qui m'a dit, mais en tout cas ce matin il y a le petit déjeuner, ensuite on prend la navette et on va à l'aéroport. Je sais pas où je vais,
je sais pas où je vais, je sais pas où ils m'emmènent, je sais pas c'est quel trip secret. Apparemment les Gabonais ont l'enlèvement facile, donc je suis inquiète. Je lui ai juste demandé d'écrire à ma mère et lui dire où ils m'emmènent, au moins si elle doit venir chercher mon petit corps traumatisé, au moins elle saura où aller quoi. Je suis très inquiète en fait. Donc voilà, je vais juste me brosser les dents, me préparer un petit peu, avoir une meilleure mine que ça, parce que franchement les yeux rouges plus les cernes plus la peau qui va pas du tout en ce moment, ça va pas le faire. Donc je vais essayer de réparer tout ça avant d'aller prendre le petit déjeuner et attaquer la journée, et on se retrouve tout à l'heure. Tu m'emmènes où, monsieur B? T'as pris les trucs du petit-déj, hein? Quel truc du petit-déj? C'est comme ça, hier. Les tickets? Ouais. Non. Tu peux me dire où tu m'emmènes, s'il te plaît? Non. Et si je te donne 5 euros? Ouais. Du coup, comme d'hab, avant de partir de la chambre, je fais le lit. Voilà. J'essaie de ranger un minimum et tout, parce que j'ai trop honte que la femme de ménage pense que je suis une truie. Mais tu es mignon! Tu prends tout ça du... Tu es mignon, hein? Tu passes ton 06? Mais appuie, assieds-toi dessus, tu vas fermer la valise. Je sais pas comment tu fais ta valise. Par contre, attention à pas casser mes chaussures, hein. On y va? Thank you. Tu as pris les cartes, là, dont tu me parlais, du petit-déj? C'est pas ça? On n'a rien oublié, on fait un petit tour. La carte, c'est évidemment pour sortir d'ici, qui avait été oubliée. Heureusement que je suis là. Hein. Allez, let's go. C'est à droite, monsieur. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Jusque-là, j'ai aucune certitude de là où on va. Je sais pas, je suis là, mais comme un gosse, et ça n'a aucun sens. Tu peux pas me dire où je vais? Sinon, je demande aux gens. Hein. On va où? À Chili. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, cuida y foya. Kankwe, oh kankwe. Sometimes I feel like I lost my mind. Yeah, I'm so insane, oh your love is so crying. They say if I follow you, go. Had to waste my time. Come for your party, oh. Till the finish line. To you.
suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Okumba watano fi swimi for ya. So kankwe, oh kankwe. Na for ye we mi adorime. Kankwe, oh kankwe. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, we die for ya. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Tropale, tropale. Ba 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 tu pa tu. Owasabi, owasabi. Baby, forget owasabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them chole we. Make them chole we. Got to walk empty, what's so I do? So I do. I just if I'm one me love in the land. Lappy. Apparemment avec le déjeuner et le dîner, sauf que on a dépassé largement l'heure du déjeuner parce qu'il est déjà plus de 15h30 et le dîner il commence à être servi à 18h. Du coup je pense que là je vais prendre une douche, je vais me démaquiller, on va peut-être commander un truc en attendant et je vais me reposer parce que franchement je suis trop fatiguée. Mais vraiment l'hôtel ça envoie grave du lourd, c'est grave top. On est allé prendre les prix là, vous savez, tout ce qui est thalasso, hammam et tout. Ils ont dit que c'était 70€ par personne pour 2h30. Alors moi je connais pas, hein. Je connais pas, j'ai jamais fait ça, je sais pas du tout si c'est trop cher ou pas, mais ça me semble déjà beaucoup trop cher. Voilà. Après, c'est pour 2h30, il y a plein de trucs à faire, tout ça de toute façon, si on fait, je vais tout vous montrer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je trouve ça quand même un peu cher. Je trouve ça quand même un peu cher. Après, je chipote. C'est sûr. Je chipote, voilà, parce que je suis du grave une pince quand je le veux. Mais en tout cas, j'ai trop trop hâte de profiter à mort. Là, il y a une baignoire. Je vais juste prendre une douche pour aujourd'hui, là. Et je vais aller peut-être me baigner plus tard quand j'aurai graille et tout. Parce que là, je suis grave sur les nerfs. Et après ça, je vais prendre un bain. Parce qu'il m'en faut toujours plus. Ouais. Allez, ciao.